celle-là est quand même cruelle, hein. Chien. Suisse. Savoyer. Eh, Suisse. L'une ne va pas sans l'autre. Je travaille sur la conflictualité dans les dynamiques sociotechniques et leurs effets. J'ai une vocation qui m'appelle à penser les grands enjeux de nos sociétés contemporaines. Et les sciences sociales et humaines offrent les outils pour le faire. Et c'est l'interaction avec tant les personnes auprès desquelles je mène des enquêtes que les collègues et surtout les étudiants. Je vous ai parlé d'un concept juridique qui s'appelle « les meilleures techniques disponibles » et du rôle que joue le conflit dans sa réalisation, dans des techniques concrètes. Pour cela, je me suis appuyé sur l'affaire des usines de pâte à papier sur le fleuve Ouai, qui était l'occasion d'examiner non seulement comment les meilleures techniques disponibles arrivent de l'Europe à l'Amérique latine, mais aussi comment ce concept a été façonné dans différentes arènes de conflit. J'ai essayé de montrer qu'il faut regarder l'histoire des instruments que l'on utilise pour gouverner les sciences et les techniques. Sans cela, on ne peut pas comprendre les résultats des dynamiques conflictuelles. Technoscience. On peut rêver d'un changement radical, mais il n'aura pas lieu sauf un grand effondrement. Mais... La réglementation locale s'est fait souvent à l'aune des tendances plus globales, mais parfois il y a des innovations locales. Donc, disons locales, et puis on verra comment les choses se globalisent. La question, c'est plutôt quel développement durable ? À l'Université de Genève, on achète du papier avec des fibres recyclées et blanchies sans chlore. Donc c'est un choix plutôt environmentally friendly selon certains standards. Donc effectivement, je dois me contenter d'un papier suffisamment blanc pour imprimer les choses et les rendre lisibles.